Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un haul beauté. En effet, je me suis absentée quelques jours, je suis partie à l'étranger, l'espace de 2-3 jours pour un voyage mi-professionnel, mi-tourisme, dont je vous reparlerai peut-être plus tard à une autre occasion. Et j'y ai retrouvé une marque qui fait beaucoup d'émules et qui séduit beaucoup sur la toile, notamment pour ses rouges à lèvres liquides mat, qui est la marque Golden Rose. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la marque Golden Rose, c'est une marque turque qui est fabriquée en Turquie. Pourquoi ça m'a semblé intéressant de vous montrer ces produits? D'abord parce qu'ils sont extrêmement peu chers. Ensuite parce que, évidemment, vous pouvez les retrouver en France. Sinon, quel intérêt pour vous que je vous parle de produits que vous ne pouvez trouver qu'en Turquie? Ça n'a absolument aucun intérêt. Là, tous ces produits-là, le trois quarts d'entre eux, vous pouvez les retrouver en ligne sur un site qui s'appelle Cookies Makeup et qui est le distributeur vraisemblablement officiel de la marque Golden Rose. Vous avez dû voir plusieurs vidéos tournées au sujet des rouges à lèvres liquides mat. Beaucoup de youtubeuses en ont parlé, ils ont l'air d'excellente qualité. Alors, comme tout haul qui se respecte, j'ai pas ouvert les produits, je n'en ai utilisé qu'un d'entre eux, vous allez le voir tout de suite. Je pensais dans la foulée vous filmer, peut-être pas là tout de suite, parce que je suis déjà maquillée, j'ai fait au moins le teint, j'ai laissé la bouche libre pour pouvoir appliquer un rouge à lèvres. Mais je pensais vous faire un petit, non pas tuto parce que j'ai pas cette prétention là, mais un petit get ready with me demain matin, histoire de me réparer en vidéo avec vous. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, j'ai acheté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, j'ai acheté 15 produits pour 77 €. Je suis assez mauvaise en calcul mental, mais ça fait quelque chose comme moins de 5 € le produit. Les prix sont extrêmement peu chers. Alors, vous verrez que sur le site Cookies Makeup, je vais vous citer les deux prix à chaque fois. Ils sont un petit peu plus chers que moi, je les ai payés à Istanbul et ça paraît bien normal. D'abord, on gagne en termes de taux de change. Et ensuite, je suis pas persuadée que vous payez un billet d'avion pour aller les acheter sur place. Donc, voilà. Il y a une histoire de, certainement, de frais de transport, etc. Mais vous allez le voir, les prix, même sur le site français, les prix sont extrêmement peu chers. Donc, on va commencer tout de suite. Donc je vous l'ai dit, la note se monte à 77 € pour une quinzaine de produits. J'ai acheté un petit peu de tout. Le premier produit que j'ai acheté et que je porte sur les ongles, ma manucure est assez mal faite, mais je vais vous le montrer quand même. J'ai fait ça tout de suite. C'est un vernis à ongles d'une couleur marron, assez foncé. Alors pour la petite anecdote, j'ai fait du vernis semi-permanent dans mon bar à ongles avant de partir. Et il se trouve qu'au bout de 3-4 jours, je tiens un peu le vernis semi-permanent. Au bout de 3-4 jours, un ongle a sauté. Et je me suis retrouvée dans ce magasin à me dire, est-ce que j'achèterais pas un vernis traditionnel qui vienne rétablir un petit peu la défaillance du semi-permanent. Donc j'ai acheté celui-là, tous ont sauté en retour. Donc j'ai entièrement refait ma manucure. Voilà, c'est pas très très joli, je vous montre de près. Ça sèche extrêmement difficilement, extrêmement longuement. Alors, je vous montre ce que j'ai utilisé. Moi, j'utilise le durci long diamant de Maybelline, qui est un durcisseur. Ensuite, j'ai passé deux couches de celui-ci, qui est donc, pour votre information, la teinte 109, qui est un marron très foncé. Je vais vous donner les prix tout de suite. Et j'utilise ensuite un protège-vernis, qui s'appelle Express Manucure, toujours de Maybelline. Alors, c'est ce que je fais systématiquement quand je me fais une manucure, un petit peu peut-être plus soignée que celle-ci. Ça fonctionne assez bien. Là, j'ai laissé sécher assez longtemps. Et regardez, j'ai fait tout un tas d'accros. Voilà, sur le pouce, sur le doigt ici. Je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Je crois que ça commence à peine à être sec et ça doit faire quelque chose comme 3/4 d'heure, voire 1 heure. Donc, au niveau du séchage, c'est pas terrible. Peut-être à utiliser sans tous ces produits-là, sans le top coat peut-être. À voir. Bon, enfin, voilà. Donc, petit vernis. Alors, ce vernis m'a coûté 1,16 €. Les couleurs sont très jolies. Il y a un choix incalculable de couleurs. 1,16 €, vous le trouvez sur Cookies Makeup pour 2,50 €. Excusez-moi si je regarde un petit peu par ici, mais je me suis fait des petites fiches pour éviter d'avoir à chercher sur le ticket de caisse, qui est assez long. Voilà. Donc, vernis 1,16 €, 2,50 € sur Cookies Makeup. J'ai acheté à la suite de ça un primer. J'ai acheté de quoi faire un maquillage à peu près complet. Hein. Donc un primer matifiant, vous aviez deux sortes possibles. Un lumineux et un matifiant et réducteur de pores.
pour les pores dilatés. Moi, j'ai choisi celui-ci. Voilà, ça se présente de cette façon-là. C'est un flacon de 30 ml que j'ai payé 9 euros et quelques et qui coûte 14 euros, à peu près 15 euros sur le site de Cookies Makeup. C'est un flacon pompe. Voilà, à tester. Pour le moment, j'utilise le Step One de Makeup Forever. J'en suis assez contente. J'utilise aussi de temps à autre le Smashbox. Voilà, l'idée c'était d'utiliser celui-ci, de voir un petit peu ce que ça donne. Pour moi aussi, c'est extrêmement intéressant de savoir si ces produits-là en sont de qualité ou pas, sachant que je peux les retrouver sur un site français. Donc si j'en suis satisfaite, je ne manquerai pas de le racheter. 30 ml flacon pompe, 14,90 €. Je n'avais pas tellement envie d'acheter de fond de teint, j'essaie de porter de plus en plus de bébé crème. Et les fonds de teint, en fonction de la texture, de l'onctuosité, de la légèreté du fond de teint, j'apprécie ou pas. J'avais pas tellement envie de me tromper. Et puis, voilà. La bébé crème m'a tenté, donc j'ai acheté une petite bébé crème que j'ai payée 6,85 €, qui est en vente à 12,90 € sur Cookies. Bébé crème Beauty Balm. Donc moi, j'ai pris la teinte light, la plus claire, je crois. Les testeurs étaient assez sales, difficiles à utiliser, difficile de se faire une idée. Voilà, donc on vous dit quoi? On vous dit que c'est tout un nain, qu'il faut appliquer éventuellement deux couches, qui donne un glow naturel à la peau, c'est assez simple à appliquer, etc. Il y a un SPF de 25 et c'est un petit flacon. Donc on va faire un petit swatch tout de suite pour voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je n'ai pas de retour écran, donc... Ça m'a l'air très très peu couvrant, mais très léger, c'était à peu près ce que je recherchais. Donc je vous ferai ça demain. Voilà, très peu couvrant, c'est assez agréable à appliquer sur la peau, visiblement. Ça couvre, à mon avis, assez peu. Je vous en donnerai des nouvelles. Troisième produit que j'ai acheté, une poudre, pour matifier le tout. Donc j'étais partie dans l'idée d'acheter une poudre transparente, un petit peu l'équivalent de la Makeup Forever HD ou ce genre de poudre-là. Et puis finalement, c'était une poudre libre. J'avoue que là, la Makeup Forever HD, j'ai un petit peu de mal à l'utiliser justement parce que bah, j'en fous partout à chaque fois que je trempe mon pinceau dedans, sur l'espèce de petit tatami là. Donc j'ai pris une poudre compacte, pardon, je ne vous ai pas montré, voilà, qui se présente comme ça. Qui fait 12,7 g, qui a un SPF de 15, dont on vous dit qu'elle a une bonne couvrance, qu'elle est soyeuse, qu'elle donne un fini poudré, qu'elle contrôle la brillance et qu'il n'y a pas de parabènes. Et c'est un petit boîtier noir assez chic, je dois dire. Voilà, de cet ordre-là, avec les initiales GR Golden Rose. On va ouvrir ensemble, je ne l'ai même pas ouverte. Donc vous avez un miroir, vous avez une petite houppette, et un opercule en plastique qui dévoile la poudre. J'ai pris la teinte numéro 8. Qui n'a pas de nom. Voilà. Ça m'a coûté 8,79 €. Alors, j'ai cru comprendre que sur le site français, tout était vendu le double du prix. Ça me paraît assez logique dans la mesure où les produits sont importés. Mais voilà, évidemment que moi là-bas, bah, ça m'a coûté moins cher que ça. Voilà pour la poudre. On passe, alors j'étais partie dans l'idée, d'abord j'ai oublié d'acheter un blush, pour être tout à fait honnête avec vous. Et puis j'ai finalement pris quelque chose qui pouvait être à mi-chemin. Je fais très peu de contouring, et j'essaie de faire en sorte de me maquiller un petit peu moins, en tout cas que ça se voit un petit peu moins sur la peau, que ça fasse plus naturel. J'ai trouvé un terracotta blush on, comme ça qu'ils appellent ça, de 4 g, qui est un petit boîtier que j'ai payé 7,57 €, que je n'ai pas retrouvé sur le site français cette fois. Je vous le montre tout de même, hein, je trouve la couleur assez jolie. C'est un petit boîtier en plastique. Les packagings ne sont pas exceptionnels, hein, c'est du Kiko d'entrée de gamme, mais voilà. C'est un joli blush rosé. Je vais vous faire un swatch. Avec quelques petits irisés, de ce que j'en avais vu dans le... Donc voilà ce que ça donne sur mon doigt. Et voilà ce que ça donne sur la peau.
C'est extrêmement pigmenté. Je crois qu'il va falloir avoir la main un petit peu légère. Bon, vous estompez. Regardez ce que ça donne. Ça s'estompe très très bien. Je me suis dit que pour les beaux jours arrivants, ça pouvait faire un petit peu à mi-chemin entre le blush et puis petit highlighter un peu rosé. Voilà, blush 7,50€. On continue. J'ai acheté 3 fards à paupières. 2 fards à paupières perles. Je ne vous ai pas donné la teinte du blush. En même temps, il n'est pas en vente en France, mais c'est la teinte 08. J'ai acheté 2 petits fards à paupières, 3 en tout, mais 2 soyeux qui se présentent comme ça. Teinte 126 pour celui-ci et 142. Je vais les ouvrir tout de suite. Ce sont des petits boîtiers. Les blushs m'ont coûté en promo 2€. Assez invraisemblable. Ils sont en vente à 3,90€ sur le site. Et ce sont des petits boîtiers comme ça. Voilà, 2€. 3,45€ en général et 2€ en promo. Donc j'ai pris, je vais vous montrer les teintes. J'ai pris un marron glacé. Et puis un taupe. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est mieux. Voilà, j'ai pris un taupe et un marron un petit peu plus foncé. Donc marron glacé et marron plus foncé. L'idée, c'était de faire une paupière mobile et un ras de cils inférieur et un creux externe. Enfin, pardon, un extérieur, une paupière externe. Je vais vous les swatcher. On va essayer de ne pas utiliser le même doigt. Voilà ce que ça donne pour celui-ci. Et voilà ce que ça donne pour le second. Ça m'a l'air un petit peu poudreux. Vous voyez, j'ai trempé mon doigt une fois. C'est assez poudreux, mais bon. Donc le premier, le marron foncé. Oui, c'est bien ça. Le marron foncé, c'est la teinte 124. Voilà ce que ça donne. Donc c'est irisé, c'est exactement les couleurs que j'aime. Le second, c'est un taupe, qui est le numéro 126. Et qui donne ça. Voilà. Je trouve les couleurs extrêmement belles. Elles sont très irisées. Est-ce que c'est simple? Voilà, ça s'estompe très très bien. C'est assez impressionnant. Regardez, voilà, ça s'estompe très bien. C'est assez joli. Il me tarde de pouvoir me maquiller avec, donc rendez-vous demain matin. Donc 2€ pour ces petits fards à paupières. Et puis le troisième que j'ai pris, c'est un métallique. Donc il est présenté dans un packaging métallique, pour le coup, métallique eyeshadow. Celui-ci, c'est la teinte 3 rosette. Et celui-ci, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé sur le site internet. Alors ça va peut-être arriver. Donc le packaging est sensiblement différent. Voilà, il y a écrit Metals dessus. Et c'est un espèce de rose. Un espèce de rose. On va voir ça ensemble. Je crois que je vais définitivement tuer mon vernis. Il est absolument impossible de l'ouvrir, c'est grave. Voilà, je crois que mon vernis est définitivement mort. Donc, on va peut-être passer à la suite et puis je vous le montrerai demain matin. Je prendrai la peine de l'ouvrir pour le tuto parce que je veux de toute façon l'utiliser. Mais je suis désolée, je n'arrive pas à l'ouvrir. La prise n'est pas bonne du tout, à moins que... Voilà, le vernis. Vous voyez, 3/4 d'heure, 1 heure après, c'est toujours pas sec. Bon, on va passer à la suite parce que là, je vais tout... ensuite, j'ai acheté un primer mascara. Alors, les vendeuses sont très expertes. Hein. Elles vous amènent quand elles voient que vous commencez à avoir un panier un petit peu chargé. Elles comprennent que vous êtes là pour acheter. Hein. C'était mon cas, d'ailleurs. Hein. Et elles vous amènent pour choisir tout un tas de choses. Donc, j'ai acheté un Lash Primer, donc un primer mascara, que j'ai payé 5,84€ et qui vient vendu exactement au même prix sur le site Cookies Makeup, 5,90€, qui se présente, je présume, comme tous les autres. C'est un emballage mat, il y a 9 ml à l'intérieur. On va le découvrir ensemble. Hein. J'ai vu le testeur, évidemment, mais voilà. Donc, c'est un primer, une base blanche que l'on vient mettre sur les cils avant l'application du mascara, qui vous promet volume et longueur. Donc, on verra demain matin. 5,90€. En ce moment, j'utilise un Makeup Forever, donc on va essayer. Si celui-ci est intéressant, ça peut-être être bien au niveau du prix. Un mascara. Pareil, que vous trouvez sur le site Cookies Makeup, qui s'appelle Infinity Lash, voilà, volume et longueur aussi, qui, si mes souvenirs sont bons, possède une méga brosse.
donc je vais enlever le... Voilà. Que j'ai payé 7,67€, il est vendu à 7,90€ sur le site. Voilà, c'est une grosse brosse en poil. J'aime bien en général. La vendeuse m'a certifié qu'il était fabuleux. Bon, j'avais un petit peu l'impression qu'elle m'engageait à prendre les produits les plus chers en même temps 7,60€ pour un mascara. Voilà quoi. Donc si c'est bien, le packaging est assez joli. C'est pas des choses que je regarde forcément, mais à 7,60€, bah, c'est appréciable. On continue avec un crayon à lèvres. Et on finit d'ailleurs avec les lèvres. J'ai acheté, sans trouver le testeur, c'était le soir, il n'y avait plus vraiment de testeur, tout était absolument mélangé. C'est très difficile de réussir à trouver. Donc le crayon à lèvres, je l'ai acheté sans tester la couleur, parce que je ne la trouvais pas. Donc c'est un crayon à lèvres Dream Lips, Lip Liner, qui est vendu sur le site Cookies Makeup. C'est pas du tout une vidéo sponsorisée, hein. J'avais juste à cœur de vous montrer ce que j'avais acheté parce que c'était en vente ici, donc comme c'est le seul site qui distribue. Le crayon à lèvres est à 2,90€ en France. Je l'ai payé 1,15€. Donc voilà, ça n'est pas une mine rétractable. Hein. Ah si! Ça alors? Ben, je ne l'avais pas vu venir. Il semblerait que ce soit un rétractable. Ça tourne en tout cas. Donc on essaiera ça. C'est un vieux rose un peu marron. On va essayer sur l'autre main parce que là j'ai déjà... C'est typiquement le genre de couleur que j'aime. C'est un marron qui tire un peu sur le rose. Voilà. Qui est très très joli. Vous imaginez 1,15€ le crayon à lèvres. Voilà. Donc s'il est bien, mais j'en recommanderai aussi d'autres. Hein. J'ai acheté ensuite... Ben, on finira par les liquides mats, mais j'ai acheté un petit rouge à lèvres. J'étais avec une de mes amies qui adore les teintes corail, qui a pris celui-ci, qui est la teinte numéro 27, qui est un sheer shine, qui est à 4,90€ sur le site, que j'ai payé 3,55€. Il me fait un petit peu penser au Smart Lipstick de Kiko. Donc celui-ci, c'est un fini glossy, hein. Voilà, mais un très joli gloss. Dans les teintes corail pour l'été bronzé. On l'a mis, hein, même là-bas. Mon ami était bronzé, revenu du ski. Vraiment, très joli effet. 3,55€. 4,90€ en France. Toujours un packaging noir. Donc, je vous redonne la teinte, mais je vous la redonnerai demain. C'est la 27. Ensuite, j'ai pris un jumbo à lèvres aussi. J'aime bien ce genre de choses. J'en ai quelques-uns, une petite collection, notamment de chez Emma. Je suivais une youtubeuse qui m'avait donné envie d'en acheter. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. C'était Noetsi. C'est une jeune youtubeuse d'origine asiatique qui est très mignonne, qui se maquille extrêmement bien. Je vous mettrai son nom en barre d'infos. Voilà, ça s'appelle Smart Lips. Ça, c'est pas vendu en France, malheureusement. Je l'ai payé 4,50€. Voilà, grosse mine, gros jumbo, et voilà le swatch. Donc celui-ci, pareil, j'ai pas trouvé le testeur, donc j'ai pas pu essayer la couleur. Ça tire plus vers le rose irisé. C'est des couleurs que j'aime un petit peu moins, mais on essaiera sur la peau, sur les lèvres tout au moins. Donc on vous dit que c'est enrichi en beurre de karité et vitamine E. 4,50€. On termine avec les deux liquides lipstick. Donc ceux-là, vous les retrouvez sur le site. J'ai pris la teinte 12 et 18. Donc j'ai pris un rouge parce que je voulais faire un comparatif et je le ferai certainement avec un des rouges que je mets le plus souvent qui est un rouge velouté sans transfert de Sephora, le numéro 1. Qui est très agréable à porter, que je porte assez régulièrement mais qui s'estompe pas très très bien, je trouve. Qui me ferait une grosse démarcation au niveau de la lèvre et notamment au niveau du cœur de la lèvre. Donc je voulais faire un test sur ceci. Donc j'ai pris, donc c'est celui-ci, le numéro 18. Voilà, les liquides lipstick coûtent 4,57€. C'est moi ce que je les ai payés. 5,90€ en France. C'est quand même pas très cher pour des liquides mat. Donc voilà, c'est un applicateur, tout ce qu'il y a de plus classique. On va l'essayer ici.
Alors, j'ai fait un test dans le magasin. Une petite odeur de vanille. Ça me fait penser aux produits NYX. Pour celles et ceux, pour ceux qui, pardon, pour celles qui auraient des produits NYX dans leur make-up. Voilà, ça sent un petit peu ce côté un peu vanillé. Alors, j'ai fait plusieurs swatchs sur la main dans le magasin. Avantage ou inconvénient, extrêmement difficile à démaquiller. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est sec, et on en fera le test lorsque je ferai le petit tuto, extrêmement difficile à démaquiller. Il est écrit d'ailleurs kiss-proof dessus. Donc, à mon avis, nos transferts, vitamine E, testés dermatologiquement. Il y a 5 ml 5. Voilà, très long stay. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une réalité. Donc, celui-ci, c'est le numéro 18. Je ne sais pas ce que vous pensez de la couleur, mais je la trouve extrêmement jolie. Il est certainement un petit peu plus foncé que le numéro 1 de Sephora. Mais j'essaierai ça demain. Et l'autre, qui est donc, si mes souvenirs sont bons... rosé, c'est ça. En rosé, c'était pas ce à quoi je m'attendais, donc je sais pas si je me suis pas trompée. Je voulais un espèce de bois de rose. On va essayer celui-ci. Celui-ci m'a l'air un petit peu plus prune. Donc ça, c'est le numéro 12. Toujours au même prix, 5,90€ en France. Voilà. C'est un très joli prune. Je crois que c'était bien celui-ci que j'avais choisi, hein, par contre. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est un prune qui tire un petit peu vers le brique. Il y a des petits sous-tons briques. Voilà. Alors, je ne suis pas une grande fan des liquides mat. J'en ai quelques-uns parce que c'est très tendance, parce que je trouve ça très joli sur les lèvres des youtubeuses que je regarde. Mais je trouve que définitivement, ça aplatit un petit peu la bouche. Hein. Ça l'atrophie un peu, c'est un mot qui n'est pas trop approprié, mais voilà, je ne trouve pas ça extrêmement, extrêmement saillant sur moi. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, parce que j'en testerai certainement un demain. Voilà, et pour terminer, avant de n'appliquer un petit rouge à lèvres, on va prendre peut-être le petit gloss, là, qui est facile à appliquer. Je me rends compte que je n'ai pas de... que de toute façon, je n'ai pas pris de miroir, donc on va faire ça un petit peu à l'impro. J'ai pris une brume fixante, que j'ai payé 4,77€ et qui est vendu le double ici, donc 8€ et quelques. Qui sent absolument rien. Bon, on essaiera ça demain. Il me semble que le vapeau est chargé de gouttelettes. C'est pas un vaporisateur extrêmement diffus, ce que je préfère. Au demeurant, pour être tout à fait honnête avec vous, j'utilise pas beaucoup de spray fixateur. C'était vraiment pour terminer le make-up et vous donner l'idée de ce que cela pouvait représenter en termes de qualité. Il y a 120 ml à l'intérieur. Voilà. Pas beaucoup d'informations supplémentaires. Il coûte 8,90€ sur le site de Cookies. Alors, on va se débrouiller pour faire une petite application. Je vais me servir du petit miroir que j'ai là, dans ma poudre compacte. Et puis, on va se faire la petite application du gloss que j'ai acheté. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve... je trouve qu'il plump bien les lèvres. La couleur est extrêmement jolie. C'est une espèce de rose un peu corail. Il fait un peu bouche mordue. Je l'imagine bien, y compris sortant de plage, bien bronzé. Voilà. Pas forcément dans la saison du moment. Il fait un sale temps en plus aujourd'hui, donc... Mais pour cet été, je trouvais la couleur très très jolie. Et je confirme, je la trouve extrêmement jolie. Voilà. Voilà pour ce petit haul. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous vraisemblablement demain. En tout cas moi demain, pour filmer ce petit Get Ready With Me avec les quelques produits que j'ai achetés. Je vous montre avant de terminer. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait sec. C'est déjà très très mat par contre. On va essayer de faire un petit transfert sur mon poignet. Vous voyez, pour le moment, ça transfère encore. Donc, je vous donnerai des nouvelles demain. Et puis, on le testera ensemble. Ça met un petit peu de temps à sécher. Mais par contre, c'est très, très, très mat. Et je vous en ferai la démonstration demain quand vous essayez de le démaquiller.
Vaut mieux avoir un démaquillant waterproof. Bah moi, j'ai utilisé dans le magasin, je pense qu'elle devait avoir un démaquillant waterproof biphasé pour les yeux. C'est ce que j'ai utilisé, ça me paraissait un petit peu compliqué au démaquillage. Mais enfin, pour moi, ça n'est qu'un détail, hein. Si le produit est d'une qualité folle, peu importe le démaquillage. Voilà, je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes encore là, de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je voulais m'excuser pour mon irrégularité. Je commence et je ne sais pas trop comment faire les choses de façon régulière. Au niveau de l'équipement, je m'équipe petit à petit. Voilà, j'ai des petits soucis de montage, des petits soucis de transfert de vidéos sur mon ordi. Enfin voilà. Donc il y en a une que j'ai déjà filmée, que j'ai pas réussi à transférer. Dorénavant, il y aura celle-ci et puis je vous filmerai le petit make-up blabla, comme certaines l'appellent, certaines de mes youtubeuses chouchou. Voilà, donc je vais essayer d'instaurer une régularité pour que vous soyez un petit peu plus nombreuses et que cela vous intéresse aussi. Je vous remercie vivement, je vous souhaite un bon shopping sur Cookies Makeup. Peut-être allez-vous attendre que je teste ces produits, je pense que vous auriez raison. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.